vient de lancer notre marketplace en juin. Et donc un des objectifs pour Noël, c'était d'avoir suffisamment d'acteurs du jouet sur la marketplace pour avoir une offre assez intéressante en nombre. Et donc là, c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la marketplace, on est passé d'une centaine de référents jouets aujourd'hui à plus de 20 000 références sur notre catégorie éveillé jouet. Donc là, pour la marketplace, c'est plutôt pas mal pour Noël. Voilà. Éviter l'effet déceptif des livraisons promises en temps et en heure. Prenez une petite marge de manœuvre. Des fois, vaut mieux perdre une ou deux journées de chiffre d'affaires et pas promettre n'importe quoi aux clients. Voilà. Si on peut livrer à partir jusqu'au 15 décembre, par exemple. Alors, je sais pas, ça dépend des typologie de produits et la rapidité avec laquelle votre logistique prépare les colis. Mais voilà, il ne faut pas compter sur les transporteurs, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir plein de choses. Donc, surtout en plus, quand on est dans le secteur, nous, de la puériculture, du jeu du jouet, il y a une dimension affective très, très importante par rapport aux produits qu'on va offrir. Donc voilà, ne vous engagez pas sur des délais de livraison que vous ne pourriez pas tenir. L'effet pourrait être dévastateur pour votre image.